Chers abonnés de TikTok, bienvenue et bien sûr, continuez à tapoter, surtout tapoter pour que cela ne s'arrête pas parce que généralement nous sommes attaqués et vous êtes sevrés des directs. Ce n'est donc pas de ma faute parce que nous sommes littéralement attaqués, tout comme ceux qui sont sur Facebook. Merci pour votre fidélité et surtout votre perspicacité. Parce que il faudrait se dire que c'est avec beaucoup d'efforts que vous parvenez à me retrouver, d'autant plus que la page est très restreinte et que le nombre de personnes qui devraient être atteintes, eh bien, c'est juste un petit filet, mais qu'est-ce que c'est important? Puisque vous avez beau avoir une perdition si petite, mais lorsque la perdrix crie au milieu des touffes d'herbes et des grands arbres, vous l'entendez de très loin. C'est aussi ça, notre cri ici, quand nous faisons le direct, et parce que vous êtes là, et parce que vous partagez, cela permet à ce que ceux qui ne sont pas connectés puissent au moins être au courant qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer ici, ou encore ceux qui d'autres activités qui puissent nous réécouter un peu plus tard. Donc, merci donc à vous qui êtes sur la page JPRM Ngono qui a été terriblement encore attaquée, mais heureusement elle a survécu et elle doit survivre. Survivre grâce à vous, grâce à vos partages, grâce à la protection de ce live et de tous les lives d'ailleurs. À vous, bien sûr, aussi qui êtes sur les pages secours, eh bien, vous voyez comment c'est important, puisque d'ailleurs, vous avez pu constater que mes derniers lives dans les studios de RFI, c'était sur la page Rémi Gonon, les plus beaux proverbes africains. Donc, ces pages, sachez-le, sont mises en, comment est-ce qu'on peut dire, en berne, mais fonctionnent. Soyez donc toujours actifs là-bas, tout comme vous qui êtes sur la page Rémi Gonofal, c'est en multipliant les supports que nous parvenons aussi à atteindre le plus grand nombre. C'est l'objectif, même comme de l'autre côté, du côté de nos ennemis. Et il faut nous réduire à néant. Mais qu'est-ce que vous voulez? Ils ne nous réduiront jamais à néant. Bien au contraire, vous êtes le bataillon des fourmis maniants, qu'ils soient des fauves, qu'ils soient méchants n'importe comment, ils ne parviendront pas à nous vaincre. Vive l'union, vive la solidarité, vive le bataillon des fourmis maniants, tout comme également vous qui êtes sur la chaîne YouTube J.Ringono, chaîne officielle de l'engagement. Votre engagement aussi, c'est de faire venir ces cœurs rouges qui m'attendrissent mon cœur et qui me donnent encore un peu de chaleur pour que je puisse avoir encore quelques calories pour vous donner. Et pour vous donner toujours de mon énergie. Merci pour vous donc. Partagez. Ce n'est pas interdit de liker. Ça ne donne pas le panaré au doigt en cliquant, en envoyant des cœurs. Vous qui êtes sur les fenêtres et qui ne voulez pas vous faire voir, bon, de toutes les façons, même je vous vois. Et croyez-moi, si vous dites que c'est parce que vous voulez toujours vous préserver et parce que vous voulez voir vos enfants grandir, sachez que même les véhicules peuvent vous tuer, les microbes peuvent vous tuer. Tout peut vous tuer, ce n'est pas le direct qui vous tue. Bien au contraire, il peut sauver beaucoup de vies parce qu'il permet au moins que nous puissions dénoncer ceux qui se croient puissants et ceux qui croient qu'ils peuvent faire de vous juste une patate bouillie parce qu'ils ont des milliards et parce qu'ils ont le pouvoir. Le pouvoir des fourmis maniants, c'est donc vous, eh bien, et c'est aussi notre langue, vipérine, serpentine, assassine, mutine, cortine. C'est parti pour l'avant-goût des dossiers noirs du samedi soir en ce jeudi soir. Quand un chien se met à aboyer derrière un voleur, tous les autres l'imitent. Ainsi, depuis un certain temps, alors que c'est la CAN qui est considérée comme l'actualité principale qui devrait
mobilisé non seulement presque tous les pays africains et surtout ceux qui sont qualifiés, alors que les Lions Indomptables ont créé une euphorie, alors que les rivalités entre la Côte d'Ivoire, les éléphants particulièrement, et les Lions Indomptables étaient incandescentes au maximum, au summum, à l'optimum, subitement, une autre actualité est venue mettre le football un peu en berne, presque dans les vestiaires. Le football a été relégué donc, alors que généralement, c'est ça qui constitue l'actualité, surtout en ces périodes où tout le monde est derrière son écran télé. Une actualité s'est imposée et les réseaux sociaux en ont fait l'aplat. Beaucoup d'influenceurs s'y sont mis à plein pied et ont réussi à imposer ce sujet. Alors qu'on attendait les superstars à la CAN, que c'est eux qui devraient meubler notre quotidien, voici qu'une autre superstar, ce n'est pas Ondoa, ce n'est pas Onana, ce n'est pas, par exemple, Christophe Owo, ce n'est même pas Zambouanguissa qui font l'actualité. C'est plutôt quelqu'un qui lui joue avec son troisième pied. Bobda Hervé est donc venu dribbler tout le monde. Il est passé à l'attaque et bien sûr, la contre-attaque s'est organisée avec les équipes des influenceurs dont il faut saluer justement le travail abattu tel des fourmis maniants. Je ne manquerai donc pas en début de cette intervention de saluer Jumento ou encore Jorel Zan, sans oublier même Paul Chouta et bien d'autres que je ne peux citer nommément. Tout le monde a essayé de pouvoir au moins faire que, en dehors du football, qui généralement détourne les vrais problèmes de la société, qu'on devienne parfois des problèmes de moralité, à des problèmes de mœurs, à des problèmes qui peuvent tuer la jeunesse, qui peuvent compromettre notre avenir, qui sont en train de nuire à notre société. L'affaire Hervé Bobda, beaucoup en ont donc parlé et m'ont demandé d'intervenir. Mais comme je vous le dis, je ne peux pas être multiforme, multidimensionnel et que au moment où je suis en studio pour parler du football, je ne peux pas venir parler de Bobda et consorts. Et aussi, dans les affaires de mœurs, il faut savoir que il faut prendre les choses avec des pincettes, il faut réaliser des enquêtes, il faut recouper l'information. Contrairement aux lanceurs d'alerte qui, eux, peuvent juste balancer une information, le journaliste que je suis a le devoir de recouper d'abord l'information, de travailler sur des sources avant de venir vous donner cette information. Il serait prétentieux pour moi de vous dire que je connais toute la vérité déjà sur cette affaire qui est tentaculaire et qui d'ailleurs implique aussi des dignitaires et qui aujourd'hui devient presque une affaire planétaire. Ce n'est plus seulement le Cameroun qui en parle. D'autres pays africains ont récupéré cela et même des sociétés civiles et d'autres entités à travers le monde en parlent. C'est pour dire la gravité de cette affaire. Bien évidemment, comme je vous ai dit en préambule, je ne pouvais pas me lancer sans pouvoir faire un premier travail de base parce que généralement, en ce qui concerne les affaires de mœurs,
Il est souvent facile qu'on jette quelqu'un à la vindicte populaire et que plus tard, il soit difficile de refaire son honneur. D'ailleurs, parfois, rien qu'avec des rumeurs, certaines personnalités ont dû batailler jusqu'à la fin de leur vie pour que la vérité soit rétablie sans que cela ne soit rétabli. Je pourrais par exemple parler de l'affaire du professeur Gervais Mendozi. À l'époque, j'étais au Cameroun lorsque subitement, ça avait enflé partout et dans toute la société, dans les marchés, que le professeur Gervais Mendozi aurait abusé d'une fille et lui aurait offert un collier qui se serait transformé en serpent. Nous fut baptisé à l'époque le serpentologue. Jusqu'à la mort, il a porté ce sobriquet. Et pourtant, quand on voit la réalité, après avoir interviewé ceux qui portaient cette affaire un peu partout dans les quartiers, sous-quartiers et même dans des sommités, eh bien, chacun vous disait que c'est une affaire qui vient de FM 94 et qui avait été révélée par cousin Joly Nibngom dans son émission À cœur ouvert, où une fille aurait témoigné de façon anonyme et aurait dénoncé cela. Et par la suite, cela aurait créé des problèmes à cousin Joly. Je vous relate cette histoire parce que beaucoup d'entre vous connaissent que cette histoire est vraie. Pourtant, elle est fausse. Parce qu'à l'époque, j'étais au poste national. À l'époque, j'étais l'ami de Joly Nibngom. On travaillait ensemble. Il travaillait à FM 94. Et je lui avais demandé, mais à quel moment cela s'est passé? Il m'a dit, mon frère, laisse. Je ne suis au courant de rien. Je lui avais demandé, mais cette fille, elle a témoigné. Elle dit, mais je n'ai jamais reçu un tel témoignage. Je me souviens qu'à l'époque, Prospero d'Afrique centrale était le réalisateur de cette émission. À l'époque, il y avait Roger Cézé, qui était régisseur d'antenne. Parce que je voulais connaître la vérité, j'avais demandé ni le technicien, ni le réalisateur, ni le régisseur d'antenne, qui est à peu près le commissaire, n'était au courant d'une telle affaire qui était au quartier considéré comme étant passé à la radio. Mon ami Joly Nibngom, qui était avec moi dans la même réunion et qui travaillait avec moi dans la radio, lui-même n'était pas au courant de cette histoire. Mais la façon de brosser avait fait de telle sorte que les gens croient que c'était vrai. Nous avions poussé à l'époque l'enquête un peu plus loin en demandant, c'était donc un témoignage anonyme. Où est donc la famille de cette fille? Où a-t-elle été enterrée? Nous n'avons pas pu trouver son village, ni rien. Autre histoire, c'est celle où, un beau jour, je suis à l'antenne, je reçois un coup de fil anonyme. Où justement, quelqu'un va me dire qu'il y a quelque chose qui se passe de très grave à l'hôpital central. Je suis à l'antenne. Et quelqu'un me demande, un de mes techniciens me demande d'annoncer cela. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Et il me dit, il y a Claude le Parisien qui aurait avalé une femme. Je dis, aurait ou a? Non, a. Je dis, a. Tu m'as dit aurait. Il me dit, non, a. Et il est où actuellement? Il s'est transformé en serpent. Je dis, quoi? En serpent? Je dis, c'est où? On me dit, à l'hôpital central. J'ai dit, j'attends. J'ai fini mon émission. J'ai fini mon conférence. Et je vais partir à l'hôpital central. Arrivé à l'hôpital central, rien de tel ne s'était produit. Et pourtant, beaucoup ont gardé cette histoire qui n'avait pas existé. Raison pour laquelle, lorsqu'une affaire arrive et que ça peut paraître sensationnel, il faut toujours
recouper l'information avant de donner. Et cette information, donc, aujourd'hui, c'est sur Bobda. Ou bien évidemment, vous avez écouté beaucoup de témoignages anonymes. Des femmes, des hommes, des témoignages de toutes sortes qui donnent la chair de poule, qui font dresser les cheveux et peut-être même qui font gratter les crânes pour les chauves. Des histoires dignes des films d'horreur racontées à travers certains témoignages. Les témoignages sont-ils vrais? Est-ce une manipulation? Est-ce juste de la diffamation? Est-ce tout simplement une façon de vouloir salir Hervé Bobda? Voilà donc en quoi consistait mon premier travail. Et je puis vous dire, même si certains témoignages, lorsque certains m'ont contacté ou certaines ont préféré garder l'anonymat en disant que ils ne voudraient pas ou elles ne voudraient pas se faire citer parce qu'ils ont une peur bleue, eh bien, je peux vous dire aujourd'hui qu'au moment où je vous parle, les faits, même s'ils sont gonflés, sont avérés. Les faits sont avérés au regard des éléments que j'ai actuellement. Monsieur Hervé Bobda n'est pas un saint. Monsieur Hervé Bobda n'est pas victime d'une cabale. Monsieur Hervé Bobda est impliqué dans beaucoup de choses. À l'instant où je prends la parole, il faut savoir que des plaintes ont été déposées à la suite des éléments des auditions. Monsieur Hervé Bobda, lui-même d'abord a été aperçu à la Légion de Jamais, à Douala. C'était lundi. Il a des amis là-bas. Il est ressorti, tout souriant, tout comme d'ailleurs il est entré. Les avocats des victimes, de quelques victimes qui ont eu le courage, ont décidé d'aller porter plainte après audition et des éléments que je ne peux pas encore dévoiler. En tant que journaliste, et parce que je respecte aussi la vie privée, et parce que, à partir de ce jeudi, eh bien, l'enquête préliminaire est officiellement ouverte au niveau du tribunal militaire à Douala. Au tribunal militaire de Douala, la plainte conduite par le collectif, donc à la tête duquel se trouve Maître Dominique Fousse et bien d'autres, eh bien, la plainte, disais-je, a été déposée auprès de Madame le commissaire du gouvernement près du tribunal militaire. Cette plainte a été reçue. Et je peux vous dire que avant cette plainte, selon mes informations, contrairement à ce qu'on vous dit dans les réseaux sociaux, il y a deux autres plaintes qui étaient déjà déposées dans le même tribunal militaire. Et pourquoi le tribunal militaire? Parce que M. Hervé Bobda a fait usage d'une arme à feu. Et lorsque
un civil ou même un homme en tenue utilise une arme à feu, le tribunal militaire est compétent. Voilà pourquoi est-ce que Madame la commissaire du gouvernement a été saisie au regard de ces éléments. Et ces éléments peuvent d'ailleurs se justifier par certaines vidéos ou photos. Où vous pouvez constater que même l'individu en question a un réseau ou entretient de bonnes relations avec des hommes en tenue. D'où par exemple cette scène incroyable du 2 janvier 2024. Il reçoit les honneurs alors qu'il est civil des hommes de la garde présidentielle, d'un élément de la garde présidentielle et un autre élément de la direction de la sécurité présidentielle. Et il est vrai que cet élément de la garde présidentielle avait été convoqué par Akwa Bundo, Raymond, qui dirige la garde présidentielle et a été reversé à l'armée de terre. Donc, c'est déjà un élément probant. Et puis, bien évidemment, aussi, l'autre sera aussi convoqué le 28, selon certaines indiscrétions. Les éléments que j'ai en ma possession sont d'une gravité extrême. Mais je ne voulais pas jouer le rôle du procureur de la République, ou plutôt de la commissaire du gouvernement ou des enquêteurs, d'autant plus que Hervé Bogda est derrière l'écran et est en train de me regarder avec ses avocats pour pouvoir prendre justement des dispositions pour sa défense. Avant même cette fête, l'État du Cameroun, par le truchement de son procureur de la République, devait prendre les dispositions pour s'auto-saisir par rapport à cette actualité, à ces dénonciations. C'est vrai que Maître Méli, du côté de Yaoundé et d'autres avocats aussi, ont déjà saisi la justice. C'est donc une batterie de plaintes qui sont en train de se joindre à cette affaire. Mais beaucoup, bien évidemment, ont dû constater que, et il y a des centaines de témoignages,